tout! Donc aujourd'hui, je vous retrouve enfin avec ma vidéo sur le cégep. Ça fait plusieurs mois que je vous prépare la vidéo parce que, si vous n'étiez pas au courant, j'ai terminé ma première année de cégep dans les dernières semaines. Ça doit faire 2 semaines maintenant que j'ai terminé. Donc j'ai mes 2 premières sessions sur 6 de fait. Donc je fais une technique de 3 ans, la technique de gestion de commerce, si vous ne saviez pas encore. Donc là, je vous ai préparé un petit peu pendant tous ces mois mes conseils, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer le cégep, parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir cette vidéo-là l'an passé. Quand je m'en allais au cégep, j'ai tellement passé plusieurs mois à chercher des vidéos sur le sujet, à essayer de m'informer sur le cégep parce que j'avais aucune idée dans quoi je me lançais. Si vous en allez au cégep à l'automne, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous aimez ce genre de sujet, vous pouvez mettre un thumbs up à la vidéo et me dire dans les commentaires quelles autres vidéos vous voulez voir sur le cégep, le secondaire, l'école en général. Vous pouvez me laisser vos suggestions et vous abonner si ce n'est pas déjà fait avec le bouton en bas de la vidéo juste ici. Et si vous êtes intéressé à voir comment survivre au cégep, continuez à regarder. Quelque chose que je pensais qu'elle allait être vraiment, mais vraiment le fun à avoir au cégep et qui n'est pas nécessairement le cas, c'est les trous entre les cours. J'ai déjà eu des trous de 3-4 heures entre mes cours. Et oui, techniquement, vous pouvez clencher vos affaires et faire vos devoirs pendant ce moment-là, mais si vous n'êtes pas chanceux, ce trou-là va se trouver au début de votre semaine, comme moi à l'autre session. J'avais 2 trous de 3 heures, mon lundi et mon mardi, et vos devoirs sont pas encore vraiment comme dit à ce moment-là, donc vous pouvez pas vraiment les faire. Ma première session, je l'ai vraiment moins bien vécue que ma deuxième, premièrement parce que j'avais beaucoup de trous dans mon horaire, et j'ai vraiment détesté ça. L'autre session, j'avais presque pas de trous, donc j'ai vraiment préféré mon horaire à la deuxième session. C'est possible, clenchez tout dans le même moment, puis essayez de tout coller vos cours ensemble, à part vos heures de dîner. Une question que j'ai beaucoup reçue sur Instagram, c'est les gens qui me demandaient comment on faisait pour se faire des amis au cégep, parce que les gens allaient vouloir nous parler, comment on fait quand on connaît personne à notre cégep. Et je vous dis, c'est vraiment moins compliqué qu'on pense. La première journée de cégep, j'ai vraiment pas osé aller parler à personne, j'avais vraiment pas de cours de ma technique, donc je connaissais vraiment personne. Et je détestais ça, j'ai vraiment mal vécu ma première journée. Si vous voulez que je fasse un story time là-dessus, je peux vous le faire. Si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires. Donc la deuxième journée, je me suis dit, je vais aller parler aux gens. Et à mon premier cours le matin, j'ai vu une fille dans le fond de la classe qui était arrivée aussi à l'avance, en même temps que moi. Puis elle avait l'air fine, tu sais, elle était toute seule, dans son coin aussi. Puis elle avait des cheveux roses. Je me suis dit, cette fille-là doit quand même être extravertie, elle doit être le fun à qui parler, fait que je vais aller la voir. J'aurais peut-être jamais pensé ça au mois d'août, mais cette fille-là s'est rendue une de mes meilleures amies. C'est mon amie Élise, que vous avez peut-être vu dans certaines de vidéos sur ma chaîne. Je l'ai déjà montré, on a déjà fait des vidéos ensemble, mais je peux vous mettre dans les cartes d'un côté ici des vidéos que j'ai faites avec elle. Mais c'est rendue une de mes meilleures amies et je regrette vraiment pas d'être allée y parler. C'est en allant vers ces personnes-là que vous allez en connaître des nouvelles. C'est comme ça que vous allez faire des amis, parce que vous allez connaître les amis de vos amis, et c'est comme ça que vous allez peut-être vous développer un beau petit groupe d'amis. Quelque chose que je disais avant de rentrer au cégep qui ne s'est pas avéré nécessairement être vrai, c'est je vais préférer ça que le secondaire parce que je vais faire ce que j'aime. Si c'était juste de mes cours de technique, franchement, j'aime beaucoup mon expérience au cégep, mais c'est les maudits cours de base. Et quand on est plus jeune, on entend beaucoup les gens du cégep dire que le cours de philosophie, c'est leur pire cours à vie. Je suis pas là pour continuer le mythe ou non, mais je vais vous dire que c'est vraiment vrai. Personnellement, le cours de philo et tous les cours de base gâchent un peu l'ambiance pour moi. Mais on n'a pas le choix d'y faire, et pour ma part, ben il me reste juste 1 an de cours de base, donc je me dis que la moitié est faite pour les cours de base. Je sais pas pour vous, mais moi, au secondaire, mon école, si on traînait toutes nos choses avec nous, donc notre sac à dos, toute la journée, c'était un petit peu considéré comme rejet. Je sais que c'est pas pareil à toutes les écoles, à mon école c'était le cas, mais au cégep, je vous dis, vous allez vouloir traîner vos choses, toutes vos choses, parce que ça vous tentera pas de retourner à votre case dans vos cours, ça vous tentera pas de retourner chercher vos devoirs dans votre case, ça vous tentera pas d'aller chercher vos affaires, pas pour mon manteau et ma boîte à lunch. C'est vraiment la seule raison pourquoi j'utilisais ma case, parce que je laissais pas mes choses à l'école, j'ai toujours laissé mes cahiers et toutes mes choses d'école à la maison, ce que je n'ai jamais fait au secondaire, mais au cégep, je traînais seulement mes choses pour la journée, toutes dans mon sac, et je traînais mon sac toute la journée, donc j'avais mes choses pour tous mes cours et tous les devoirs que je pouvais faire pendant la journée. J'avais tout avec moi, et j'ai jamais fait ça au secondaire, mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire au cégep, parce que, je vous le dis, vous allez pas vouloir aller retourner chercher vos affaires tout le temps. Et aussitôt que vous commencez à vous habituer à un cours, ben vous êtes rendu aux examens et le cours est terminé, donc c'est vraiment différent du secondaire, vous n'êtes pas 1 an avec un prof, vous êtes vraiment pas longtemps, c'est 15 semaines. Si vous perdez votre temps pendant un cours, vous allez le regretter à la fin de la session parce que vous n'avez pas le temps de niaiser. C'est vraiment let's go. La plupart des cours, pour moi en tout cas, c'était vas-y, travaille, puis t'es rendu à la fin de session. Mon meilleur truc par rapport au cégep, il faut m'écouter. Si vous allez au cégep l'année prochaine ou si vous êtes au cégep et que vous n'avez pas encore utilisé ce truc, choisissez bien vos coéquipiers, c'est ce qui va make or break votre session. C'est des personnes qui travaillent et qui vont pas vous laisser tomber ou qui vont pas
juste faire le travail à la dernière minute, choisir des personnes fiables. C'est quelque chose qui a gâché ma première session d'avoir des coéquipiers qui n'étaient vraiment pas comme je voulais. On s'est juste mal entendu. Quand il y a des chicanes dans des équipes, c'est comme... Vous n'avez pas besoin de ça dans votre session. Vous avez déjà assez de tous les problèmes que le cégep a. Vous n'avez pas besoin d'avoir des coéquipiers qui sont pas bons. Donc choisissez bien, c'est vraiment ce qui va rendre votre expérience au cégep bonne ou mauvaise. Fait cocasse, j'ai jamais fait autant de siestes dans ma vie qu'à ma première session de cégep. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi ça a été différent cette session-là, mais la première session m'a complètement brûlée. Je dormais tous les soirs en arrivant chez moi pendant au moins une heure ou deux heures si possible, après des journées de 5 ou 8 heures ou peu importe. J'ai jamais été autant brûlée qu'au cégep, j'ai tellement jamais fait autant de siestes. J'ai jamais fait de siestes en étant petite, mais j'en ai fait tous les soirs pendant ma première session. Préparez-vous à être vraiment fatiguée et drainée émotionnellement. Pour ma part, c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'étais vraiment fatiguée et j'avais hâte que la session se finisse. Puis la mi-session, vous allez avoir hâte qu'elle arrive aussi. Là, je vous mets ça vraiment extrême, mais comme, je veux juste vous préparer réalistement. Ça veut pas dire que ça va être si intense que ça, mais moi, j'ai beaucoup fait de sieste et je vous dis, vous allez vraiment aimer dormir. Et si vous avez du temps pour dormir, vous allez l'utiliser. Les initiations. On entend beaucoup parler des initiations d'université parce qu'elles sont beaucoup plus intenses et plus courantes, mais il y a aussi des initiations au cégep, si vous n'êtes pas au courant. Ça arrive plus souvent dans les techniques, ce qui est mon cas. Il y a beaucoup plus d'initiations que dans les programmes préuniversitaires. Il y en a aussi, mais pas autant. Laissez-vous pas influencer par les autres. Laissez-vous pas mettre une pression parce que vous êtes vraiment pas obligé de participer à rien. Mon initiation était en deux parties, donc on avait une partie défi qui était à l'école, donc avec les professeurs qui étaient là un peu pour nous guetter. Et il y avait la partie vraiment hors de l'école, le soir, où on était supposé se saouler. Et je suis pas allée, j'ai pas participé à la partie saoulée le soir, pas parce que c'était pas dans mes valeurs ou que parce que je voulais pas le faire, mais parce que ça se faisait pas pour moi de, après deux jours d'avoir commencé l'école, d'aller dormir chez quelqu'un que je ne connaissais pas parce que j'habite vraiment pas proche de mon cégep, comme je l'ai déjà mentionné 15 millions de fois, mais c'était impossible pour moi de boire et de conduire pour revenir chez moi et prendre un taxi pour 50 km, je sais pas si vous savez, mais ça coûte très très cher. Je vous le dis, je me suis très bien intégrée même si j'ai pas participé à la moitié de l'initiation et je m'entends quand même très bien avec tous les gens de ma technique et ça a jamais été un problème. Donc, stressez pas avec ça, vous êtes pas obligé de le faire et si vous voulez, ben tant mieux pour vous, mais c'est vraiment pas quelque chose que vous êtes forcé de faire. L'autre conseil, n'achetez pas vos choses avant la fin de la première semaine de la session. Vous saurez jamais si vous allez garder ce cours-là ou qu'est-ce que vous allez réellement avoir besoin avant la fin de la première semaine. Achetez pas vos livres, même si vous avez vos plans de cours et que vous savez quels livres vous avez besoin. Attendez avant de les acheter, ça presse pas. Quelque chose que j'étais vraiment pas au courant avant de rentrer au cégep, c'est à quel point la plupart des gens, vraiment un gros pourcentage des gens qui sont au cégep, n'ont pas un parcours straight ou un parcours rentre-sort du cégep en 2 ou 3 ans. La plupart des gens qui sont au cégep, ils sont là depuis plusieurs années, ils ont changé de programme, ça a été plus long que prévu, il y a eu quelque chose, mais si vous changez de programme, sentez-vous pas différent parce que c'est vraiment pas le cas. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont un parcours qui n'est pas normal. Une autre question que j'ai beaucoup reçue, c'est comment je fais pendant l'année scolaire pour gérer mon travail, l'école, YouTube et ma vie sociale. Et c'est une très bonne question, franchement. J'ai appris après les deux sessions à gérer un peu mieux mon temps. Mais comment je fonctionne, c'est vraiment, il faut prioriser. Si vous trouvez que pour vous, l'école est plus importante que votre vie sociale, ben vous priorisez l'école et vous mettez plus de temps là-dessus. C'est la première chose que vous faites. Pour ma part, j'ai vraiment priorisé l'école, mon travail, YouTube et à la fin, ma vie sociale. Donc, vous comprenez que cette année, j'ai pas beaucoup eu de temps dans ma vie sociale. J'ai pas beaucoup vu mes amis hors de l'école. Franchement, c'est une question de priorité, c'est une question de choix. Vous faites comme vous voulez. Si vous priorisez vos amis plus que votre travail d'école, ben c'est un choix que vous faites, mais ça dépend vraiment qu'est-ce que vous voulez mettre vos efforts et votre temps dedans. Mais pour ma part, j'ai vraiment priorisé l'école, donc je faisais tous mes travaux d'école. Après, si j'avais le temps, je faisais mes vidéos, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, et je suis très fière d'avoir réussi à faire des vidéos toutes les semaines pendant l'année au complet, parce que ça a vraiment été difficile, et plusieurs fois, je me suis dit, je serais jamais capable de poster cette semaine, et je le faisais quand même. Donc je suis quand même fière de moi, et c'est vraiment une question d'organisation. Si vous organisez votre temps à l'avance, comme du monde, avec un agenda, vous allez être correct pour tout faire, je vous le dis. Mettez-vous pas trop de choses sur les épaules, mais si vous avez 3 ou 4 choses que vous voulez faire,
mais vous allez être capable de le faire si vous l'organisez comme il le faut. Une question que j'ai beaucoup reçue, c'est s'il y a beaucoup de travaux hors de l'école, s'il faut beaucoup mettre de temps de travail et de devoirs hors de l'école. Et la réponse pour ma part est oui. La plupart de mes travaux se faisaient à la maison. J'ai pas beaucoup eu de temps à l'école pour faire mes choses. C'est beaucoup plus du travail à l'extérieur. Si vous arrivez du secondaire, ça risque d'être une marche qui est un petit peu plus grande à franchir. Si vous n'avez pas beaucoup fait de devoirs, vous ne travaillez pas beaucoup à la maison au secondaire, ça risque d'être plus difficile et préparez-vous parce qu'il va falloir travailler à la maison. Au cégep, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas tout faire à l'école. Vous ne pouvez pas tout faire dans vos trous entre vos cours. C'est impossible. Vous allez devoir travailler à la maison. Si vous voulez avoir des bonnes notes, vous n'avez pas le choix. Donc pour ceux qui m'ont demandé si c'était une grosse marche, une grosse différence entre le secondaire et le cégep, ma réponse est oui. Si vous êtes dans un programme qui est régulier au secondaire, que vous avez juste fait la base, ben vous risquez d'avoir beaucoup plus de travail rendu au cégep et que ce soit une plus grosse adaptation. Si comme moi vous avez fait un programme qui est un peu plus avancé, par exemple, moi j'ai fait le PEI, donc un programme avec beaucoup de devoirs et de travaux à la maison, ça n'a pas été difficile pour moi la transition côté travaux et côté charge de travail parce que j'avais beaucoup plus de choses au secondaire qu'au cégep ou à peu près égal, donc ça n'a pas été difficile pour moi de gérer la charge de travail. Mais si vous êtes juste dans un programme régulier, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous. Je sais que je vais recevoir beaucoup de questions sur la COTER et je veux y répondre à ces questions. Si vous en avez, laissez-moi là dans les commentaires et je vais faire une vidéo dès les prochaines semaines sur comment avoir une bonne COTER. J'ai l'impression que je suis quand même une personne qui est bien placée pour vous donner des conseils là-dessus, donc si vous avez des questions, laissez-moi là dans les commentaires, mais je vais faire cette vidéo-là dans les prochaines semaines, donc stay tuned si vous voulez voir la vidéo sur la COTER, ça s'en vient. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo malgré le fait qu'elle est super longue. Je pense que ça va quand même avoir répondu à beaucoup de vos questions. Si vous en avez, laissez-moi là dans les commentaires. N'hésitez pas, je vais vous répondre. J'essaie de répondre à peu près tous les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Bye!